du Twitch game. Je vais prendre ta place, petite Catwoman. Tiens ta conduite, par contre, oui. Oui, prenez la lettre qui vient de tomber, c'était pour la récupérer. J'ai envoyé une lettre par mes gardes tout à l'heure, s'il vous plaît, quelqu'un va la chercher. Officier, lisez-la, s'il vous plaît. Dur les tests, là. De la part de Monsieur Copperfield, j'ai trouvé votre chevelure très belle. J'attends de vos nouvelles. J'espère que vous allez répondre à cette lettre. Bien à vous, Monsieur Copperfield. Oui. Ah, c'est tiens, mets un petit coup de parfum dessus. Voilà. C'est une relation en elle avec toi. Mais non, pas comme ça, mais pas comme... Ah, ils aiment bien. Je pense que nous sommes arrivés, non? Le gouvernement. Ouais, c'est peut-être là, ouais. Très bien, allons-y. Ouais. Mmh. Et moi, j'ai une requête. Monsieur le gouverneur, j'aimerais bien que tous les éléments de LSPD puissent acquérir de manière gratuite un appartement et une voiture de fonction. Mmh. Très bien. 9 mètres carrés, je pense que c'est assez bien. Oui, il me semble, oui. Des cages à poulet. Oui, parfait. Voiture et appartement de fonction, c'est noté. Sandrine, tu notes ? C'est noté, déjà noté. Alors, vous, ah, vous Sandrine avez des roquettes. T'es encore là. Moi, j'ai un bouton avec des roquettes. Ouais, faut pas appuyer dessus, monsieur le gouverneur, s'il vous plaît. Et t'es censé être de l'humour. Effectivement, Sandrine, vous êtes un petit peu con. Ouais. Sandrine ? Oui. Sucez-moi la pine, excusez-moi, c'était pour la rime. Oh, deux fois de suite, qu'est-ce que je suis beau, je m'aime. Incroyable. Incroyable. Rigoler jusqu'à la moment où on va avoir soif, espèce de petite chienne. Incroyable, ça. Oui, c'est vrai. Gouverneur, c'est vous ? Effectivement. Très bien. Je voulais savoir, plusieurs questions, n'est-il pas ? Il semblerait que la presse soit corrompue. Il me semble aussi. J'ai vu cet article sur... Traîner avec les voitures de tout le monde et chez Capitaine, quoi. Donc il mérite un peu mieux que ça, quoi. Sandrine, tu notes ? C'est noté. Voiture de sport pour le Capitaine. Très bien. Problème réglé. Voilà. 300 mètres carrés minimum pour pouvoir finir de développer ma matraque à reconnaissance faciale. Très bien. Qui finance cela ? C'est moi-même. D'accord. Donc un projet que vous développez vous-même, vous voulez que le gouvernement vous loue un local? Ah non, je veux pas qu'on me loue, je veux qu'on me le donne. Ah mais c'est d'utilité publique, hein. C'est une matraque à reconnaissance faciale. Qu'en pense votre capitaine? Ah ben il est pour, hein. C'est révolutionnaire. Monsieur le capitaine? Ah, moi, ce n'est pas mon problème, vous savez, je n'ai même pas écouté. La plupart des dires des gens ne m'intéressent pas. Très bien. Requête refusée. Ouais, on ira au moins deux, t'inquiète, il y a un laboratoire de la police, je vous travaille. Et moi, j'ai une requête. Monsieur le gouverneur, j'aimerais bien que tous les éléments de LSPD puissent... acquérir de manière gratuite un appartement et une voiture de fonction. Très bien. 9 mètres carrés, je pense que c'est assez bien. Oui, il me semble, oui. Des cages à poulet. Oui, parfait. Voiture et appartement de fonction, c'est noté. Sandrine, tu notes ? C'est noté, déjà noté. Alors, vous, Sandrine, vous avez des roquettes ? T'es encore là. Moi, j'ai un bouton avec des roquettes. Il me semble aussi. J'ai vu cet article sur moi, alors... Bizarre, dealer de drogue, moi. M'autorisez-vous à faire une descente pour contrôler leurs petites culottes et dévoiler le fait qu'ils ont des traces de slip dans leur vestiaire? Ah oui, hein, tout de suite, hein. Je vous fais un papier dans les médias. Très bien, faites-moi ce papier et je vais m'atteler avec mon équipe à révéler la vérité sur le fait que ce sont des sales gens. Oui. Sandrine, papier, stylo. Très bien. Il a trouvé sa pupute. Et voilà. Notez. Ah, je note. Très bien.
Moi. Vous. Donatien de Montgomery. Ou Clément le gouverneur. Oui. J'autorise les membres des forces du LSPD. Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Oui, à contrôler le bestiaire des journalistes. Pour à acte terroriste, oui. Ah, contrôler le vestiaire des journalistes. Des terroristes, vous pouvez mettre. Oui. Terroristes, ok. C'est choupa. Très bien. Journalo-terroriste. Ouais. Signé et tamponné. Tamponné. Oh, je vais chercher le tampon. Pour le tampon, prenez celui de votre mère. Oh, je m'aime. Voilà. Oh, il est bon. Voilà. Sandrine, papier, vous donnez. Ouais, tenez. Oui, merci. Sandrine. Oui, c'est bon, je l'ai retrouvé, oui. Merci. Je vais tout de suite aller perquisitionner leurs locaux, leur botter le cul, prendre leur slip sable, ainsi que les caleçons qui sentent le lait maternel totalement dégueulasse. Vous savez, le lait maternel jaune qui a trop vieilli, car ces connasses ont fait probablement une fausse couche par manque d'hormones. Quelle honte. Elle n'avait même pas de quoi enfanter ces pétasses. Sûrement un bien pour l'humanité d'ailleurs. Très drôle. Monsieur commandant. Oui, capitaine commandant, oui. Oui, capitaine. Oui. Est-ce que vous désirez qu'on aille directement au concessionnaire vous acheter le véhicule afin de se la péter devant les journaux aux terroristes? Ah, très bonne idée, oui. Mmh. Je pense que c'est nécessaire, oui. Ouais, nous allons faire les démarches. Hein, oui, démarches d'ailleurs, gouverneur, j'avais une dernière requête. J'ai commencé à récompenser les meilleurs officiers de la semaine afin qu'ils soient au gradé et vous protègent en toutes circonstances. C'est pourquoi nous aurions besoin de moyens supplémentaires à hauteur d'une voiture d'exception par semaine pour récompenser chaque policier qui fera le métier de vous servir corps et âme. Alors, avec l'argent du contribuable, il va sans dire. Je n'y vois pas d'inconvénient si mon flair est récompensé. Je pense que votre anus sera tellement nettoyé par notre langue chatoyante que vous n'y verriez jamais d'inconvénient. Super, très bien, très bien. Alors, écoutez, réglez-moi ce problème de journaliste de merde hein, qui raconte des ragots. Oui. Et on fera comme ça. Ah, très bien. Sandrine. Oui, très bien. Nous allons nous en occuper. Oui. Non, je ne voulais juste dire Sandrine comme ça. Allons-y, allons acheter la voiture. Je peux essayer? Ah oui, allez-y. Sandrine pas, Ouais. Sandrine. Pourrais-je avoir votre numéro de téléphone pour quand je serai aux toilettes? J'adore appeler les gens quand je suis aux chiottes pour entendre le bruit de mes pets. Oui, bah, plus tard. Merci beaucoup. Allons déjà acheter... Allons-y. Quelqu'un a-t-il pris l'appel de la police qu'il vient de raisonner dans les locaux des voitures ainsi que des locaux? D'ailleurs, ils étaient là, en parlant du journal Up. Ah bon? Hier quand vous êtes parti. Ils étaient en train de, disons, de... d'observer la limousine. Très bien. Très bien. Et Sandrine, j'ai une question pour vous. Oui. À quel moment pensez-vous que le gouverneur ou moi-même nous avons demandé que vous racontiez votre vie inintéressante pendant que nous dévalions les escaliers? La radio chef. Bah ça, c'est le gouverneur qui me le dira. Très bien. Je vous ai pas écouté, hein, Sandrine, je suis désolé. Ah, d'accord. Ah, la radio, c'est chiant pour le bagne. Actuellement, je suis plongé dans une série. Je vous avoue que cela prend tout mon temps. À 8 sur 10. Je crois qu'il y a de la racaille devant mes locaux. Très bien, allons leur botter le cul. Où est-ce? Ah oui, très bien. Putain, la vache. Oui, c'est un bordel sans nom. Ouais, c'est pas là. C'est là. Il est infâme, mon perso, hein. Je pense que c'est vraiment le pire perso que j'ai jamais fait, non? Ouais, je pense, en fait, la question se pose même pas, je pense vraiment que c'est le pire perso que j'ai jamais fait de ma vie.
Il est tellement parfait, il me colle tellement à la peau. Bonsoir, messieurs. Bonsoir à vous, petits hommes de la plèbe. J'espère que vous pouvez saluer le gouverneur comme il se doit. Un homme bon, un homme simple, un homme juste. Bonjour, monsieur le gouverneur. Touchez le bout de mon doigt, voilà comme c'est ça. Ouais, je vous tends mon micro. Hein. Je voulais avoir pour poser des questions. Vous êtes journaliste. Ouais, je suis journaliste. Très bien. Agent, s'il vous plaît, intervenez. Merci de saisir les mains de cette personne pour une réquisition au sein de leurs locaux immédiatement. Ouais, si tu veux, mais je comprends pas. Hein. En fait, il se trouve que nos collègues ont fait un article sur vous qui nous semblait assez agressif. Et nous, monsieur, on peut faire une interview avec vous pour corriger. Mais je veux bien expliquer ça, moi, il n'y a pas de souci. Très bien, nous allons expliquer ça au sein de vos locaux. Mais pour l'instant, nous allons devoir vous menotter pour faire preuve de force et surtout vous mettre un petit peu le nez dans le caca, dans la mesure où le gouverneur a envie de se sentir beaucoup plus puissant que vous. Ça le relate et ça lui permet d'avoir une érection très quotidienne. J'espère que vous l'aimez. Quelle splendeur, quel charisme. Merci, gouverneur. Allez, emmenons ces gens à leurs locaux. Je ne sais pas où c'est, ils vont nous guider. J'espère que ce ne sera pas dans l'eau, car l'eau, ça mouille. Alors, c'est un peu plus haut, hein. C'est sur la villa de production, hein. Très bien. Je peux pas vous guider parce que c'est un peu dur de me déplacer. Pourquoi donc ? Monsieur le capitaine, oui. avec des menottes, j'ai du mal. Vous m'envoyez un message que vous êtes disponible pour l'achat du véhicule. Venez avec nous si vous voulez pour la perquisition, gouverneur. Oh, je peux. Oh. Bien entendu, gouverneur, je vous prends dans ma voiture, sauf que je n'ai plus de place. Oh, j'ai déjà. Prenez alors. Moi, ce que je vous propose, c'est. Alors, que... non, pas de photo, hein. Non, saisissez la carte multimédia à base de flashing de cette personne. Ah, tu enlèves ça. Monsieur le gouverneur, il faut vous parler comme nos collègues. Moi, je propose. Écoutez. Monsieur avec le flashing, venez avec moi deux petites secondes, s'il vous plaît. Je vous propose très simplement d'enlever mes menottes et je vous. Écoutez-moi, nous sommes à la solde de ce gouverneur qui est totalement capitaliste, voire fou. Nous sommes en train de réjouir ses propos pour pouvoir s'en débarrasser plus rapidement. Donc je vous prierai de pouvoir nous aider dans cette quête et collaborer, d'accord ? Okay. Essayez d'aider cette personne pour pouvoir l'emmener. Derrière, nous serons très aimables avec lui, d'accord ? Ouais, je crois que je suis dans le pétrole. Cela est pour faire bonne figure, vous comprenez ? Vous faites des balabas. Très bien. Alors, emmenez votre collègue et essayez de l'appréhender pour que nous puissions y aller rapidement et en finir avec ces balivernes de gouvernement. D'accord. Monsieur le capitaine, il faut qu'on vous explique quelque chose. C'est que nos collègues ont fait cet article. Effectivement, vous m'envoyez votre nom et la raison. Ça arrive, Demandez à votre collègue, il va vous expliquer. Bien, mon jeune enfant. Ben, on y va. Allons-y, montrez-moi les lieux. Ça va connaître un peu tout le monde. Vous êtes capitaine ? Oui, absolument. Je ne suis pas capitaine, je suis commandant et capitaine. Commandant. Vous voulez montrer les lieux de quoi ? Très bien. Les lieux de perquisition pour votre Sandrine journal. Oui. 4-4. Déjà préparé. Nous n'avons pas de locaux. Très bien, emmenez-moi là où vous y résidez ou quelque part où je peux trouver des preuves, des slips sales ou autre chose, s'il vous plaît. Un officier de police peut monter dans mon 4-4 pour ma protection, s'il vous plaît. Oui, très bien. Allez-y, monsieur le chauve. À gauche, peut-être mon véhicule, je vais essayer de monter, ou alors dans la voiture, je sais pas. Je peux vous guider avec la voix, peut-être. Oui, venez avec moi, oui. Allez, c'est fermé, hein. Oui, c'est normal, ça s'appelle une portière. Allons-y. Ok. Vous m'aidez à l'ouvrir ? Quelqu'un va vous charger dedans, vous inquiétez pas. On va s'en charger. Chargez-vous-en, hein. Si ça veut bien, sa grand-mère. Voilà. Ouais, faut que la voiture bouge un peu, quoi. Ah ouais, j'avais pas... je connaissais pas cette histoire, hein. On va essayer. Ah bah j'ai les manettes maintenant. Oui mais c'est pas grave, allez-y. Quelqu'un vous a chargé dedans. Allez-y. Je sais pas, je vais le maintenir mais je vais lui mettre la pression pour qu'il puisse faire des trucs en tant que gouverneur. Il est, on en a parlé à Sherpé et c'est un rôle très compliqué, un vrai rôle de PNJ. Vous allez à droite, hein. À droite, hein. À droite, très bien. Hop là. Et après tout droit, hein. Allons-y. Vous suivez la camionnette, hein. Bon, écoutez-moi, cher monsieur. Ouais. Qui est dans mon véhicule ? Moi, je suis Wayne Gale, hein. Je suis de Los Santos aujourd'hui, hein. Très bien. Écoutez-moi, le gouverneur est totalement fou. Nous sommes en train de réagir vis-à-vis de ses propos, hein. C'est pourquoi je suis obligé de vous menacer publiquement. Mais vous inquiétez pas, nous ne sommes pas avec ce gouverneur manipulateur. À gauche. Ne vous inquiétez pas. Donc faites semblant d'être maltraité, d'accord ? C'est important pour que le gouverneur se sente bien. C'est la seule raison qu'il a pour jouir. Ah ouais, d'accord, ok. Bientôt à droite, hein. C'est là maintenant. Hein. Très bien. Vous montez. Hein. Eh bien, vous êtes parti de quel journal, vous, monsieur ? Doucement. Los Santos aujourd'hui, hein. C'est un journal où on fait des émissions vidéo. Hein. Mais
À droite, ouais, vous connaissez, hein. Le seul problème, c'est que Los Santos aujourd'hui n'est pas le Los Santos de demain avec ce gouvernement. Ah, peut-être, mais c'est le nom du journal, hein. C'est pas un slogan publicitaire. Hein. Oui, c'est pour ça que je vous le dis, oui. Ok, ok. Ouais, exactement. Et j'espère que ce sera pas le même qu'aujourd'hui, hein. À gauche, ouais. Et voilà, hein. Ouais. Mais l'article, il était intéressant. Nous, non, pas du tout, je ne suis pas d'accord. En plus, vous avez mis en exergue quelques... Ah, mais c'est pas moi, hein. C'est une confrère, hein. Mais je supporte l'article. Hein. Comment s'appelle cette dame? C'est Chris Banks et Akiko Kobayashi. Mais c'est c'est le même journal que vous. Piquez son bip du portail dans la poche, s'il vous plaît, ouais. Officier. Sandrine, défoncez le portail. Impeccable. Ouais, ça marche. Hein. Attention, il y a Akiko hein, qui est juste là. Hein. Moi, on lui pose la question. Elle est gentille. Hein. Oui, moi aussi, j'ai connu des gens gentils. Ils étaient extrêmement idiots. Elle est toute gentille. Hein. Mais raison de plus. Je suis soumis hein, à l'autorité de la police. Hein. Oui, allez-y. Laissez-moi bien le trou de balle, c'est important. Capitaine commandant. Quelle voiture ! Je la veux, elle est à moi. Sortez-le du véhicule, s'il vous plaît. Impeccable. Merci, gouverneur. Vous êtes un bon policier. Merci. Bon, détachez cette personne, parfait, et surtout, faites-nous la visite. Je veux voir la plupart des sous-vêtements de cette villa. Alors, vous pouvez me suivre, hein. Je vous présente la villa. Non, mais, Gail, est-ce que vous avez un... propriété privée? Ouais, ouais, mais est-ce il me demande gentil... mandat ou quelque chose? Je sais pas, oui, bien sûr, nous avons un mandat. Regardez, je vous regarde droit dans les yeux, je souris. C'est mon mandat. Allons-y, monsieur. Ok. Allez, venez, le passage, il n'est pas là, il est plutôt secret, hein. Il est plutôt bon, très bien. Mais c'est vraiment très sympa, hein. Ça passe juste, hein, mais ça passe, hein. Regardez, après là, vous pouvez entrer tranquillement dans le lieu de production. Monsieur, comment vous appelez-vous? Moi, je suis Wengel. Hein. Gouverneur, écoutez-moi. Cela doit rester entre nous. Cet homme vient de me dire qu'il a été manipulé par des bandits pour écrire cet article sur vous. Ouais. Oui. Et avec une arme sur la tempe, hein, j'ai eu très peur. Hein. Oui. Et avec une arme sur la tempe, hein, j'ai eu très peur. Hein. Oui, des gens de l'Unicorne, apparemment, qui l'auraient menacé d'écrire un article néfaste sur le capitaine ainsi que le... gouverneur, car ils veulent se débarrasser de vous pour pouvoir enfin procréer des prostituées en masse. Il en a été contraint. C'est l'exactitude de vos propos dans le véhicule, n'est-ce pas? J'étais contraint et forcé. Hein. Si sinon je faisais pas ça, j'avais une prostituée en silicone qui venait me harceler tous les soirs. Hein. Ils ont abusé de votre faiblesse. Il y a un certain chef qui avait rendez-vous avec lui. C'est ça. Hein. Comme vous, suivez-moi. Je vais vous montrer un peu les locaux. Hein. Oui, allez-y. Et c'est officier Crowder, apparemment. Vous pouvez voir le studio de télévision. Et si vous voulez descendre, c'est un peu plus loin sur la droite, mais on va descendre, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allons-y, oui, allons voir ça. Allez, descendre. Au pire, je lui donne mon numéro de téléphone. Hein. Est-ce que vous pourriez nous reproduire la scène que vous m'avez dit dans la voiture quand vous étiez justement dans l'herbe et qu'ils vous ont menacé avec une arme pour produire cet article, s'il vous plaît? Ça risque d'être très dur, hein, parce que je me sens pas bien. Hein. De revivre ce moment, ça va être très dur. Hein. Ouais. Je pense que ça va être très dur. Hein. Bon. Attendez, vous êtes en train de tourner là? La saison 2 de Fame or Shame. Il y a peut-être un tournage en tour. Hein. Il faut peut-être pas crier trop fort. Hein. Ah, très bien, un tournage, ça m'intéresse. N'y allez pas, c'est privé. Non. Excusez-moi, messieurs, dames, c'est moi la star de cette ville, merci. Donc, s'il y a des caméras ou quelque chose... Oui, alors vous, justement, je vous retiens. Hein, parce que, alors, c'est quoi cette histoire rocambolesque de non, je ne veux plus faire vivre ma vie. Enfin bon, c'est quoi cette histoire? Écoutez, s'il y a une histoire ou quoi que ce soit, de toute façon, il y a des caméras. La caméra, c'est pour moi. Je vous rappelle que je suis la star de cette ville, il n'y en a pas une autre. Alors, visiblement, c'est moi la star. La caméra, parce qu'elle est montée à l'envers actuellement. Là, vous vous présentez contre la caméra et non face. La seule chose qui va être montée à l'envers, ça va être votre anus si vous continuez à manquer de respect à la star que je suis. Attendez. Josette ! C'est vous qui avez parlé du transsexuel ? Excusez-moi, monsieur, c'est vous qui étiez devant la caméra ? Il faut voir avec mon agent, en fait, parce que là, je sais pas si on est dans un film et genre vous faites l'acteur mon sosie. Vous êtes en train de vous foutre de ma gueule, je ne suis le sosie de personne, je suis le grand Michel Cooperfield, acteur, sculpteur, réalisateur et le plus grand chanteur des EHPAD du monde, en vendu plus de 350 000 albums. Pouvez-vous en dire autant, monsieur aux cheveux rêches? Alors en fait, moi dans la vie, je suis chanteur pour les poulets, vous voyez. Je reviens de Chine où j'ai fait une tournée internationale de toute la Chine et j'ai chanté pour... plus de 10 milliards de poulettes. Excusez-moi. Alors, faites attention, vous avez une érection. J'ai une question pour vous. Est-ce que devant ma classe, vous n'avez pas l'impression que la plupart de votre dialecte ne m'intéresse pas? Peigne cul. Non, mais en fait, vous voyez ce que c'est 10 milliards de poulettes ou pas? Parce que 1 milliard déjà de poulettes, t'es là en mode
Ah ouais, quand même, 1 milliard, ouais, quand même. Est-ce que le mot désintérêt a un sens pour vous? Quand j'ai dit désintérêt, ça voulait dire que poulet, poulette, avion, supercoptère ou autre ogive nucléaire ne m'intéressait pas. Votre voix ne m'intéresse pas. Les fluves qui sortent de votre peau ne m'intéressent pas. Votre dialecte ne m'intéresse pas. Votre vie ne m'intéresse pas. La star à Los Santos, c'est moi. Vous le comprenez? Ah ouais, ok. Vous voulez une photo? Vous êtes... Ah ouais, vous voulez une photo comme la vieille de l'autre fois? Attendez, je reviens. Quelle est cette abruti? C'est agaçant. Hein. Totalement, gouverneur. Il ne connaît pas Michel Cooperfield. Il a... T'as une touche, mec, t'as une touche. Vas-y. Je pense qu'il faudrait faire un film sur votre vie. Oui, il est déjà fait, oui, bien entendu. Ne vous inquiétez pas, il est en cours de production par Steven Spielberg. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur le capitaine. Ah, la plus belle natnat de son chapeau effluvant l'odeur de mes... Oui, excusez-moi, j'allais être vulgaire, je me suis retenu. Non, la vulgarité, j'aime pas trop ça, surtout dans mes lieux, dans ma maison. Votre maison, dites-vous? Je suis belle. Oui, c'est notre maison. Votre maison, ceci est ma ville. Je suis Michel Cooperfield. Ma ville. Oui, Michel Cooperfield. Mais vous n'êtes pas Cooperfield, l'autre blondasse, là. Je alors, sais pas, c'est un ringard, si écoute. Viens, on s'en bat, Jimmy, on n'a rien à faire ici. Oui, Jimmy, allez récurer les poulets avec votre couperèche. C'est moi la star, ici. Je vous avais prévenu, il n'y a qu'une star en ville, c'est moi. Ah non, alors là, je vous dis que non, c'est une solution. Là, on va faire redescendre votre écoute tout de suite, absolument pas. Bon, très bien. J'ai une solution. Qui est le manager de cette dame? De quelle dame? De vous. C'est pas de manager, c'est moi-même. Je suis la productrice. Non, vous êtes une femme. J'aimerais savoir qui vous manage. Vous n'allez pas vous débrouiller toute seule dans la vie. Vous êtes une femme. Ah oui, d'accord. Gonflé par les gourous congolais qui est en plus misogyne. Zaki, permettez-moi. Oui, j'ai mis mon jean ce matin. Pour répondre à ma place. Étant donné ma carrière et la vôtre, je pense que la personne qui se débrouille le mieux ici, ça reste moi. Donc je reste à me manager moi-même et puis vous vous occupez de, je sais pas, ça. Excusez-moi, non. Est-ce un grippin qui me parle en récitant un texte de robot qu'il a lu dans le premier Becherel venu? Ou est-ce une dame qui essaye de se mettre à ma hauteur? J'ai l'impression qu'on marche sur la tête. C'est l'impression que c'est difficile pour vous de voir une femme aborder la répartie. Vous pensez qu'on est obligé de regarder sur internet pour pouvoir vous répondre? Vous parlez tous en même temps, ma tête explose, mais je n'en fais rien, je suis une star. Cela ne me dérange pas, allez-y, léguez-vous contre moi, rien de matin. Ah bah ça c'est sûr. Dites voir, jeunes et beaux policiers, qu'est-ce qui vous amène dans notre humble demeure? Nous étions en pleine enquête. Je vous présente le gouverneur. Ah, quoi? Oh, Jackie. Baisez ma main. Vous êtes sûr que vous êtes gouverneur? Oui, tout à fait. Quel manque de respect. Hautaine, vous êtes hautaine, vous restez. Je vous serre la pince, déjà, mon petit pote, hein, parce que les baisers, moi, c'est pas trop mon truc. Hein, voilà. Est-ce que. On est sûr qu'il est gouverneur ou. Alors, effectivement, moi, j'ai pu lire votre article. C'est n'importe quoi. Alors, excusez-nous, nous, c'est la production. Nous faisons pas les crinons, hein, les gratte-papiers, c'est pour ceux qui puent et qui se lavent pas. Hein. Alors, je suis désolé, hein, mais ici, le box-office. Est-ce que j'essaie de retourner le cerveau à la meuf? Dites-moi. Est-ce que j'essaie de le retourner le cerveau ou pas? Le président de ces lieux, mais nous le sentons juste uniquement de tout ce qui est production, divertissement et autre chose. Des pions, simplement des pions. Alors, écoutez, madame, est-ce que c'est pas possible de vous parler en privé? Est-ce que ce serait possible de vous voir? Parce qu'en plus, nous sommes en. Attendez, excusez-moi, petite radio. Oui, je vous écoute, sergent, dites-moi. Essayez de. Il y a un petit con qui m'a volé ma place. Un petit con? Écoutez, j'ai une affaire à régler, est-ce que ça peut attendre 10 minutes? Ouais. Eh ben, j'arrive au commissariat dans 10 minutes. Ouais, bon, très bien. Écoutez-moi, je suis obligé. Ah, très bien. Vous êtes là? Ah ben, c'est bon. Oui, allez, venez là. Avec moi. Très bien. Non, c'est bon. Allez, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Bon, écoutez, nous ne sommes pas partis sur des bonnes bases. Je dois vous expliquer. Ma carrière est une chose, ma prétention en est une autre. Je suis très sûr de moi, mais... Je dois forcer le trait car le gouverneur m'y oblige, je suis pieds et poings liés, sans quoi je vais perdre ma place. Il me force à être un vrai tyran avec la population, je n'y peux rien.
Ah oui, mais moi, je ne suis pas la populace. Vous voyez bien que je suis au-dessus. Vous êtes de la population pour lui. Ce n'est pas moi qui en juge. Vous savez, je suis un simple membre de l'organisation de cette ville. Après tout, j'ordonne et j'obéis au gouverneur. Mais j'essaie de penser par moi-même. C'est pourquoi je vous adresse ces mots. Je n'y peux rien. Nous allons essayer de faire partir ce gouverneur. Et avec ça, nous allons pouvoir vivre enfin notre idylle amoureuse qui nous pousse à avoir des relations plutôt hardes en ce moment. Je pense que toute cette effluve va pouvoir se transformer en quelque chose de très animal. Vous pensez par exemple que ce serait le gouverneur qui nous ferait nous séparer comme ça ? Exactement, il me force à réagir ainsi, oui. Malheureusement. Ah, à se comprendre mieux, parce que je me disais, notre amour était tellement passionnel au début. Je n'ai pas compris pourquoi ça a dégénéré aussi vite. Oui, c'est des appels que je reçois en me disant qu'il faut que je ne me lie pas avec la presse, alors que malheureusement, je ne vais pas me cacher. J'ai un béguin pour vous. Ah oui, bah ça, sans doute pas. Tout le monde a un béguin pour moi. Ça va de soi quand je vois votre grand chapeau, votre effluve et également votre classe naturelle. Dès que j'entends le bruit des bottes de vos pas et de vos talons de 30 cm qui arrivent tel un drag queen, j'ai envie de vous toucher les fesses et je ne le fais pas par retenue car je ne suis pas un macho. Mais sachez que l'idée me traverse la tête. Oui, bah alors juste elle traverse, mais qu'elle ne s'arrête pas surtout, parce que ça serait malvenu. Vous comprenez ? Je comprends, c'est pour ça que je ne le fais point. D'accord, alors je suis d'accord sur tout. Au niveau de la relation amoureuse, moi je pense qu'on va peut-être miser plutôt sur quelque chose de très secret. Mais alors très très secret et même peut-être limite secret pour nous-mêmes. C'est-à-dire ? Je pense que pour que notre amour survive à cette ville, vaut mieux que nous vivions heureux et cassés. Oui, très bien, j'adore manger cachère également. Ne vous inquiétez pas, j'ai quelques effluves juivitudes également, moi. Ne vous inquiétez pas, ne vous en faites pas, je mange des boulettes tous les matins. Ah bah super. Ces effluves, vous les gardez bien pour vous, moi je garde les miennes pour moi, et puis vous allez voir, on va vivre super heureux après. Oui, c'est vrai, vous pensez ? Ah oui, parce que souvent les couples, pour que ça dure, vivent séparément, quoi. Oui, en tout cas, sachez une chose, je sais que vous êtes en train de me manipuler, parce que vous n'aimez pas le gouverneur et que vous essayez de me mettre dans votre poche, et vous avez bien raison, ce gouvernement est un con. Oui, je veux l'avoir, lui, tout entier, et le dissoudre. Est-elle un cachet d'aspirine ou encore plus, un lépreux dans une baignoire ? D'accord. D'accord. Alors, moi, je vous avoue que je ne connais pas vraiment le gouverneur. Moi, j'ai toujours un doute sur le fait que ce soit vraiment un gouverneur. C'est un gouverneur, un fils à papa, un tronche-cul. Ah oui, d'accord. Ah, mais c'est bon à savoir. Alors, d'accord. Et là, du coup, je suis tout d'accord avec vous. Juste une chose, par contre, parce que si vous voulez que notre relation tienne, hein, parce que sinon, moi, ça me donne plutôt envie de vous insulter et de vous crasser à l'arrêt, arrêtez de me mélanger avec les crottes-papiers. Je ne supporte pas ça. Je suis obligé, malheureusement, le gouvernement m'y contraint, sinon je vais me faire virer et sans quoi je ne pourrai plus vous protéger des malversations. Ce soir, nous sommes là pour une réquisition que je fais exprès de saboter. Ah, ça c'est super. Exactement. Si c'est une réquisition par rapport au fait de l'article, ça reste c'est Madame Akiko et son collègue. Totalement ça. Il m'a demandé de mettre fin à vos actes et il m'a demandé également d'arrêter tout ce que vous faisiez autour du journal. Et je lui ai dit, on va aller voir. Nous allons faire une perquisition et depuis tout à l'heure, je fais semblant d'en faire une, mais c'est faux. Je vous protège. Ah, d'accord. Ah bah alors c'est très gentil. Preuve de mon amour entier vis-à-vis de vous. Ah oui, dis donc, ça a été rapide entre nous, hein. Parce que moi, il y a encore 2 jours, par exemple, je ne vous connaissais pas du tout. Hein. Oui, mais ça, vous dites ça pour m'énerver. Je sais que vous êtes une joueuse. Vous inquiétez pas, je suis pareil. Je n'avais jamais lu un article de vous. clin d'œil. Bah, c'est normal, hein, parce que j'en ai pas fait d'article. Oui. Parce que, encore une fois, comme je vous expliquais, moi, je n'écris pas. Oui. Moi, clin d'œil. Clin d'œil. Oui, clin d'œil. Oui. Un petit point, tout ça, quoi. Oui. Oui, clin d'œil, oui. Très bien. On n'est pas obligé, les rendez-vous amoureux, tout ça, on évite, hein. On n'en est plus là dans notre relation. Non, si le gouverneur le savait, je pense qu'il nous tuerait. C'est noté. Ah bah voilà, donc vraiment, faut vivre cassé. Moi, je pense que c'est vraiment le mieux, mais vous restez l'amour de ma vie, bien évidemment. Hein. Oui, de même, oui. N'en faites pas trop non plus, j'ai l'impression que vous vous foutez de moi. Non, pas du tout. Ah, ça ne me permettrait pas. Hein. Très bien, je tourne les talons pour lui montrer que je suis le prince. Attendez, c'est pas fini. Pas de poulet. Mais, monsieur le prince, s'il vous plaît, je vous en supplie. Non, mais il n'y a pas de poulet pour vous, là. Non, je n'ai plus besoin de poulet. Monsieur, s'il vous plaît. Après, il y a la sécurité. Ah, mais c'est le gouverneur, quelle classe. Il y aura sûrement quelqu'un. Oui. Merci beaucoup. Très bien, gouverneur, j'ai procédé à un interrogatoire très poussé. Il semblerait qu'ils ont été manipulés par, en effet, l'unicorne pour procéder à cet article.
je vois très bien. Oui. Et par contre, l'article a été écrit par la petite japonaise qui se trouve oui, ici. Oui, qui a été totalement manipulée par les personnes de l'unicorne qui sont des terroristes. Oui. Exactement, parce que vous avez vu, elle est jeune et tout, fragile. Oui. Allez dire de fermer sa gueule, s'il vous plaît, la personne là-bas, merci. Ah mais voilà, c'est ça. Non, c'est sûr que j'avais des doigts sur le palier, mais moi, je sais pas ce que je devais écrire. Ah oui, voilà, c'est ça. Excusez-moi, je crois qu'on devrait bouger un peu. Eh ben, vous parlez plus loin. Mais on va bouger, oui, comme dirait un grand groupe de rock'n'roll. J'ai l'impression d'entendre la même voix en stéréo. C'est vraiment troublant. Ah mais il y a aussi des policiers, mais en... Oui, madame, c'est une perquisition. Une perquisition engendre, bien entendu, des policiers. Alors, du coup, je ne comprends pas. Ouais. Vous me dites que ce n'est pas vous qui a fait cet article frauduleux et honteux sur moi ? Si, d'après mon enquête, gouverneur, c'est bien cette personne qui a fait l'enquête, mais malheureusement, elle a été contrainte sous les armes par les personnes de l'Unicorne qui l'ont forcée, suite à nos actes de répression policière avec le test d'alcoolémie d'hier soir qui a nui à leur business de petits racailloux de cité du 9-3. Mmh. Oui, malheureusement. En plus, j'ai entendu dire qu'ils coupaient l'alcool avec de l'eau. Oui, exactement, oui. Moi, si c'était qu'avec de l'eau, si vous saviez... Oui, là, c'est pas vous prendre le problème aux racines et aller directement à l'unicorne mais pour dites faire moi, un petit contrôle. Vous n'êtes pas du tout sensé. C'est dégueulasse votre tenue, je vous l'ai dit tout à l'heure. Gouverneur, puis-je vous emprunter Sandrine pour me laver mes chaussures maintenant que nous sommes Sandrine, dans l'herbe. Allez-y. Merci. Mais sinon, excusez-moi, j'aurais vraiment une demande à vous faire. Hein. Oui, dites-moi. Voilà. Ah d'accord. Est-ce que vous accepteriez que la police, afin de redorer leur image et de les rendre encore plus grands qu'ils le sont déjà, participe à une émission de télévisée qui s'appellerait « Question pour un poulet ». Alors, c'est pas un jeu de mots, hein, c'est vraiment des poulets qu'on offre à la fin, hein, parce que M. Zimizoni adore les poulets, qui se déroulerait du coup, si je ne m'abuse, je ne me rappelle plus, je crois que c'est samedi. Très bien, qui y aura-t-il dedans, ah non, cette émission ah non, non, samedi, c'est une émission avec vous, Vive ma vie à la Lespidi. Dans cette émission, il n'y a que des policiers et l'animateur serait M. Zimidoni. Donc comme ça, on est sûr que c'est un policier qui gagne, déjà, ça c'est plutôt pas mal. Mm-hmm. Et puis ça montrerait en plus que les policiers, au-delà de leur physique extraordinaire et de leur charisme, oui, sont c'est vrai, oui. intelligents. Mm. Ça, c'est important de montrer aussi intelligents. Alors, je ne vois pas d'inconvénient. Ah! Parce que souvent, on dit, les policiers, ils sont arrêtés à la troisième, le brevet, ils ne connaissent pas trop ce que c'est, tout ça, tout ça. Et ben voilà, là, on peut prouver que les policiers sont très, très intelligents. En fait. Très bien, alors, j'aimerais pouvoir offrir un lot pour le gagnant. Ça fait rire, le mec avec le costume tout à l'heure qui se prenait pour une star, là. C'est le gouverneur favori de la ville qui l'a offert. Hein. Alors, tout à fait. Et si vous voulez, monsieur le gouverneur, pour vous mettre encore plus en lumière, on peut vous inviter en tant que guest à l'émission, hein. Qu'est-ce que vous en penseriez ? Alors par contre, là. Si c'est possible de venir sur une autre tenue, quoi que je n'aime pas. Hein, attendez, on a un problème là. Attendez, excusez-moi, je dois... Oh, là, merde. Comment qu'est-ce ça, que c'est cette merde de chiottes, de couilles, de bites. C'est très beau, mais poussez-vous, en fait, Sandrine. Les caméras, les rayures, ça n'accepte pas parce qu'on a l'impression que c'est écrit. Attendez, je viens de voir de la radio, un enlèvement au Comico ? Il y a eu un appel pour un enlèvement devant le commissariat. Quelqu'un est sur l'affaire? Non, mais quel, comment vous avez reçu cet appel? Dans les messages. C'est un détenu tout à l'heure qui a posté cet appel. J'ai l'impression qu'il y a oui, des mince, problèmes sur la radio. Excusez-moi, 4 heures, autant pour moi. Oui, c'est moi. Oui, il y a des problèmes, oui. Oui, très bien. Oui. Très bien. Je peux chauffer le moteur. Attends, c'est pour vous, madame Akiko. De quoi, Narcus ? Vous paraîtrez plus classe dans une autre tenue. Celle-ci, vraiment, elle n'est pas terrible. Hein. Le mec avec le truc, c'était le même sur Adastra, là, qui avait le pantalon, oui, là. D'accord. Ben, effectivement. Mais alors, un aussi beau minois, il faut s'en... Oui, voilà, bon, bref. C'est pas que vous me faites chier, mais je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. Oui, non, mettez pas le gouverneur, s'il vous plaît. C'est particulièrement pour l'émission que je parlais de son tenue. Bref, pour l'émission... est-ce que je peux prendre votre numéro, monsieur le gouverneur ? Comme ça, je pourrais vous prévenir de quand c'est. Écoutez, passez par moi plutôt pour monsieur le gouverneur. C'est moi qui m'occupe de son standard personnel. Alors, il n'y a pas de souci. Donc, vous êtes le capitaine de la SPD, alors. Exactement. Capitaine commandant. Merci, gouverneur. Vous faites bien de le préciser. Mon numéro est le 555. Commandant. Oui, c'est pareil. Ne jouez pas sur les homos. 555-91-76. Eh bien, super. Du coup, pour samedi, j'ai le contrat. Est-ce que vous le souhaitez maintenant, monsieur le capitaine Je m'occupe de le régler, bien entendu. Le contrat, oui, bien entendu. Oui. Selon les dires du capitaine, je dois m'occuper de tout ça, oui.
Mais je parle de celui de Vie ma vie de samedi. Oui, c'est ce que je dis. Selon les dires du capitaine, je dois m'occuper moi-même du capitaine. Ah, d'accord, super. Je vous envoie ça par mail, ça vous convient? Oui, allez-y, oui, bien entendu, oui. Eh ben super, super, super. J'ai l'impression qu'ils veulent vraiment dans leur émission, hein. Oui, ah gouverneur, oui, ne vous inquiétez pas. LFPD, hein. Nous nous occupons de tout ça. J'espère que vous avez aligné les zéros, hein. Oui, en termes de zéro, vous payant, savez. Par contre, mais... Gouverneur, il s'agit de la presse. En termes de zéro, ils sont déjà au point culminant. Oh, quel clin d'œil, clin d'œil. Sandrine, voiture. Déjà préparé, gouverneur. Très bien, aussi. De quoi je vous voilà, normalement, vous devriez l'avoir reçu. Merde. D'accord. Alors, c'est fait très court, hein. On va pas se mentir. Moi, les contrats, ça me gonfle. Hein, ah, donc, voilà. Je vais écorcher les genoux. Hein. Alors, je sais que c'est compliqué. Ok, très bien, oui, c'est parfait. C'est signé, oui, c'est bon, je viens de le signer. Vous avez mon accord. Eh bien, parfait. Eh bien, bonne journée. Hein, oui, vous de même, oui, super. À bientôt. Ah, je crois que votre commandant capitaine s'en va, non? Oui, on se casse. Ouais, il est parti. Hop. Je vous bonjour, vous êtes agent du LFPD. Oui, moi, oui. Je suis le capitaine, ouais. Oui. Bonjour. Vous êtes le capitaine. Je vous on connais. On peut pas avoir une interview. Mais vous, ah, bon, je vous reconnais, Marcel. Vous avez joué dans les plus gros porno gays. Oui, oui, ça va. Ouais. Il passe en boucle dans la fête, bien entendu, pour nous montrer à quel point les hommes sont beaux et musclés, reluisant avec de l'huile sur le corps. Ouais, c'est vrai que la deuxième partie est plutôt flatteuse, mais c'est pas des porno gays. Hein. Mais c'est pas Oko qui joue avec moi dans le. Ouais, dans, ouais, ouais. Dans le. Ouais. Ne me dis pas que t'es propriétaire. Monsieur le commandant, il y a des personnes qui veulent vous voir du. Pas du tout. Du monsieur le capitaine, est-ce devant. On pourrait se voir pour une interview exclusive. Je suis en train d'arriver, je viens, n'enlevez pas votre radio. Ah, je pense que. Ouais. Écoutez, je dois y aller, je suis appelé actuellement sur quelque chose de beaucoup plus important que vous. Au revoir. Ok. Au revoir, monsieur. De... Ah, mon capitaine, le gouverneur me vous fait dire qu'il vous attend directement au concessionnaire. Oui, ben il va m'attendre. Putain de merde. Il va nous attendre, oui. Ah bah, qu'il nous attend, hein. Ça a été Riri ce soir, il a joué un peu police ou pas du tout, d'ailleurs? Et l'autre là, Clegg, je sais pas quoi, il a l'air complètement con. Qui est le Clegg? Bah, le mec qui était menotté, là, journaliste black là. Ah ouais, très bien. Écoutez, par contre, j'ai une information.